Diana, la princesse de Galles serait attristée et mortifiée par la querelle en cours entre ses deux fils, a affirmé un biographe royal. La relation autrefois étroite entre le prince William et le prince Harry est mise à rude épreuve depuis plusieurs années. Maintenant, un expert royal a parlé de ce qu'il pense que Diana penserait des retombées de ses fils. S'exprimant sur 9 On, la commentatrice royale Nathalie Oliveri a parlé des commentaires de l'auteur Andrew Morton selon lesquels les amis de Diana ont suggéré que la défunte princesse serait profondément attristée par les tensions persistantes entre les princes. L'animatrice de 9 On, Sylvia Jeffreys, a déclaré, de nouveaux détails émergent. Eh bien, je suppose, sur la façon dont certains très proches, qui étaient proches de la princesse Diana, pensent qu'elle ressentirait la dispute entre ses fils. Madame Oliveri a répondu, oui, absolument. C'est Andrew Morton qui parle maintenant. Il a écrit cette biographie célèbre de 1992 de la princesse Diana. Elle a ajouté, on lui a récemment demandé ce qu'il pensait de la fusion entre le prince William et le prince Harry, maintenant il dit que Diana serait incroyablement attristée par la façon dont les choses se sont déroulées, ces derniers temps. Il a dit qu'Hélène Y avait aucun doute, elle serait mortifiée que William et Harry se soient embarqués dans ce qu'il appelle un enchevêtrement émotionnel. L'expert royal a ajouté, il dit que Diana croyait que Harry était l'ailier de William. Elle savait qu'il était là pour soutenir William dès le premier jour. Sachant que William allait être roi, et que Harry n'aurait certainement jamais ce rôle, il était vraiment là pour soutenir son frère. Madame Oliveri a poursuivi, Andrew Morton saurait ce que penserait Diana parce qu'il a passé beaucoup de temps avec elle et je suppose que nous en parlons depuis si longtemps. Elle a conclu, vraiment, nous ne savons pas ce qui se passe dans les coulisses, mais vous n'imagineriez certainement pas qu'une et maman serait très, vous savez, heureuse de voir ses deux fils, qui étaient si proches, in a food. Point.